Hey yo tout le monde, c'est la Kick Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester un tabac. Alors, ce tabac, c'est le fruit du dragon. Je vous mets la marque dans le coin ou en description. Parce que je retiens jamais les marques des tabacs, je connais juste. Je retiens simplement les noms. Donc, on va tirer la première latte ensemble. Alors, elle doit bien être chaude parce que j'ai laissé beaucoup trop longtemps. Mais c'est de ma faute, je faisais des trucs et j'ai pas vu l'heure. Mais bref, c'est pas grave. On va fumer quand même. Ah ouais. Franchement, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment super bon. C'est un petit peu chimique. Ceux qui n'aiment pas trop les trucs chimiques, ça peut vous... Comment dire? Putain, je suis choqué là, je m'attendais vraiment pas à ça en fait, je m'attendais à quelque chose de plus fort et finalement non, c'est vraiment un tabac doux, frais, rafraîchissant. Comme vous pouvez voir en tout cas le niveau de fumée bah, c'est vraiment pas mal, hein. Petit El Badia 320 avec Ferris et Inis V2, la base. Alors le tabac, bah, il est rouge. Normalement vous voyez là, il est à peu près rouge. Et enfin il est à peu près rouge, non il n'est pas à peu près rouge, il est vraiment rouge en fait. Là vous voyez, bon je vais mettre ma main au cas où ça tombe, mais là vous voyez voilà. Voilà. J'ai bien fait de mettre ma main. Il est vraiment, ouais, il est rouge. Rouge assez... Un peu comme le 7 Day, tout ce qui est Cold Blue, tout ça. Je vais m'essuyer la main quand même, parce que j'ai un petit peu galéré, hein, on va pas se mentir. Voilà. Et au niveau, je vais essuyer le bord. Au niveau de l'odeur. Alors au niveau de l'odeur c'est frais, on sent il me semble que c'est des baies peut-être de la myrtille, mais franchement je pourrais pas déterminer, c'est assez dur de savoir ce que c'est. J'aurais beaucoup de mal à déterminer vraiment, mais en tout cas c'est vraiment, vraiment super bon. Le packaging du tabac, si je le trouve je vous le mettrai, parce que voilà, là moi il est dans un tupperware, et je l'ai acheté un revendeur, donc j'ai pas la boîte d'origine quoi. Mais ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. En fait, ouais. Il me semble qu'il y a de la myrtille dedans. Enfin, d'après ce que moi je sens, il y a de la myrtille. Franchement, oui. C'est vachement bon. Donc, ouais, je viens de regarder en fait sur internet. C'est en fait des baies, ouais, avec de la myrtille. Mais franchement, ça passe vraiment bien. Donc ouais, c'est, on sent bien la myrtille, mais c'est pas que de la myrtille. On sent vraiment qu'il y a un mélange quand même assez pas mal. Assez pas mal, oui, bien sûr. Assez bien, je veux dire. Et donc la marque, c'est Adalia, pour info, j'ai regardé.
Ça d'ailleurs, je sais pas s'ils le font encore, parce que je l'ai pas trouvé sur le site officiel, je l'ai trouvé sur un site de vente grec, je crois, mais ouais, il y avait un packaging avec écrit Adalia Dragon Fruit Blue. Mais c'est tout, j'ai dû traduire la description grecque pour voir à peu près ce que c'était, mais j'ai pas trouvé sur le site officiel d'Adalia. Alors je sais pas, si vous savez, enfin si vous voyez que c'est pas du Adalia et si vous connaissez la marque, bah dites-le moi, parce que il me semble vraiment que c'est du Adalia, mais franchement je suis pas du tout sûr de ça, donc voilà. En tout cas, ce tabac, honnêtement, je lui donnerais un bon 8 sur 10. Un bon 8 sur 10 parce que moi, je le trouve vraiment délicieux. J'adore tout ce qui est fruité. J'adore tout ce qui est fruité, tout ce qui est même un petit peu chimique. Ça me dérange vraiment pas. Et ouais, franchement, il vaut le coup. Si jamais vous pouvez vous en procurer, testez-le. Testez-le. J'ai vu qu'il était vraiment rare. Donc, enfin, apparemment, il est vachement cher. Enfin, je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit. Mais franchement, ouais, si vous pouvez vous en procurer, vraiment testez-le. Même 50 grammes, prenez 50 grammes pour tester, franchement, parce que il vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais. Franchement, ça vaut le coup. Un bon 8 sur 10, je dirais même un bon 8,5 sur 10, parce que franchement, moi je kiffe. En tout cas, voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vais pas vous faire une vidéo hyper longue. En tout cas, moi j'en ai 200 grammes là, j'ai 200 grammes de ce tabac, donc je vais vraiment le pomper. Je vais vraiment le pomper parce que vraiment j'adore. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter et à la partager, ça nous fera super plaisir. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis voilà, moi en tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Peace! Ciao!